Après avoir exploré les incroyables presets de Final Cut Pro dans une précédente vidéo, maintenant parlons rapidement d'un autre outil essentiel qui vous fera gagner des minutes voire des heures de montage. Et le meilleur dans tout ça, c'est totalement gratuit, le lien est disponible dans la description si vous ne le possédez pas encore. Let's go! Alors la première manière d'utiliser un adjustment layer, si par exemple je souhaite effectuer un zoom progressif, donc c'est-à-dire un zoom qui commence ici et qui se prolonge sur l'autre plan sans recommencer à zéro. En temps normal, je sélectionne mon plan. Je fais un keyframe, je vais jusqu'à la fin ici, je zoome un peu par exemple, imaginons jusqu'ici, je copie les paramètres pour pas avoir refait, regardez. Le zoom, en fait, il recommence malheureusement. Et donc, pour remédier à ça, j'utilise l'adjustment layer. J'utilise le keyframe, comme je viens de le faire. Et jusqu'à la fin, voilà, par exemple, je le fais jusqu'à 130 par exemple. Vous allez voir que le zoom commence et continue sur l'autre plan. Et ce qui est bien, c'est que je peux très bien le prolonger. Donc le zoom continue constamment sur tous les plans où vous allez le superposer en fait. Avant, après. Et je trouve que la meilleure façon de l'utiliser dans votre montage vidéo, c'est de faire ça. Donc par exemple, je souhaite zoomer ce passage ici. Donc je mets l'ajustement layer ici, ça va zoomer. J'appuie sur la touche option et je déplace ma souris. Je le mets ici. Comme ça, là aussi, il y aura un zoom. Et ainsi de suite, voilà, vous appliquez les zooms là où vous voulez. Et il y aura constamment le même zoom qui va se faire dans cette partie de l'écran. Comme ça, vous n'aurez pas forcément à aller ici, Ken Burn, zoomer ou à utiliser des keyframes constamment pour zoomer. Alors ici, j'ai un speed view. Si je souhaitais par exemple appliquer un effet sur le plan de droite et le plan de gauche, normalement en temps normal, j'aurais fait ça. Puis j'aurais fait ça. Comme ça, les deux plans sont appliqués sur les deux séquences. Mais pour être plus prévoyant, je vous conseille de mettre l'adjustment layer. Vous appliquez l'effet ici. Comme ça, il sera appliqué sur les deux plans en même temps. Comme ça, si vous ne voulez plus forcément utiliser l'effet, vous n'aurez plus à choisir le premier plan, à le désactiver, à choisir le deuxième et à le désactiver. Vous n'aurez qu'à sélectionner l'adjustment layer et appuyer sur la touche V, comme ça l'effet sera désactivé. En fait, comprenez bien que l'adjustment layer est là pour que vous n'ayez pas à toucher à votre plan original. Vous pouvez déplacer ces deux plans comme si c'était des plans composés. Donc vous avez vraiment énormément d'avantages à les utiliser. Ce que je peux faire aussi, je peux par exemple les couper. Je coupe ce plan là ici. Je coupe ce plan là ici. Je fais terminer et voilà. Et je n'ai pas touché au reste du plan. Si encore une fois ça ne me plaît pas, j'ai fait de la merde, j'appuie sur la touche V. Aussi, autre chose qui vient de me venir en tête, même s'il y en a un peu parlé en début de vidéo, vous pouvez créer en quelque sorte vos propres effets. Je fais ça, je place l'effet ici, je fais ça, je fais ça, je place comme je veux. Bon, je fais un peu n'importe quoi, je vous le dis déjà, c'est du freestyle cette vidéo. Par exemple, je peux placer mon effet ici, placer ça ici, placer un autre effet ici, un autre ici, et par exemple je place ça ici. Bien sûr, là j'ai pris des effets au hasard, mais je pense que vous avez compris à peu près ce que j'essaie de vous montrer. Vous pouvez vraiment créer des sortes de mélanges d'effets qui peuvent être assez cool pour vos montages vidéo. Et aussi, vous pouvez mélanger plusieurs effets dans un ajustement layer. Je vais dans mes effets, ça c'est une série d'effets que j'ai créé moi-même. D'ailleurs, on va en parler prochainement. Par exemple, je mets un effet de flottement ici. Vous voyez que la piste flotte. Et je mets par exemple, je sais pas, je mets cet effet par-dessus. Vous voyez, maintenant, ça donne un effet un peu bizarre. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Je pense qu'on a fait le tour et que vous avez compris à peu près l'essentiel de l'adjustment layer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao!